gorge sans âme. Mon cœur qui va. La terrasse culturelle Artis commence avec cette exposition merveilleuse, le début de l'automne, de la saison de la Maison culturelle Belgorumène Artis, avec l'exposition de Ivy Etchouart et Rita Schwerwegs, et une exposition de peinture et une exposition de sculpture. Rita, bien sûr, c'est la copine de Ivy, donc ils travaillent ensemble, des matières différentes, des inspirations différentes. Ils sont d'origine différente et c'est justement ce qui fait la diversité de la Belgique. Et donc nous avons choisi ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que les œuvres de Rita et de Ivy transmettent, c'est plutôt la sérénité. Je dirais que Rita, donc, elle embrasse des formes assez ronde, assez féminine. Elle utilise des pierres qui viennent d'origines différentes, par exemple de Zimbabwe, du Brésil, d'Afrique, de l'Amérique, et d'Inde aussi. Et donc, il est choisi, il vient avec une sorte de sérénité qui vient plutôt du paradis, je dirais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a des pièces et des œuvres abstraites, mais aussi des œuvres figuratives. Et donc, il a des œuvres qu'il a réalisées cette année-ci, mais aussi pendant la période de Covid, et des œuvres qui expriment en même temps le bonheur et la colère. Ivy Etchouart est le membre de l'Union des artistes plasticiens de Roumanie. Et donc depuis 1960, je crois qu'il expose dans toutes les membres, donc et il est le personnage principal de toutes les expositions officielles de Roumanie. Il fait aussi des illustrations, des couvertures de livres, des couvertures de revues. Ces dernières expositions ensemble, d'ailleurs avec Rita, ont été en Roumanie à Bistrița, je crois, au Cercle militaire et au Parlement européen. Rita, elle aussi, elle a exposé beaucoup en Roumanie depuis quand ils travaillent ensemble. Elle a exposé et elle a été même sélectionnée pour le prix de Chișinău, du Salon des Arts de Chișinău. Rita, oui. Et alors, maintenant, donc, il se prépare une grosse exposition au Parlement roumain, donc, pour ses 80 ans et pour une carrière, je dirais, exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle. Ces œuvres, vous les voyez bien. Il y a tantôt donc, du médiévalisme, des tapisseries, je dirais, de Bruxelles, mais avec la sérénité et le bleu des ciels de l'Europe de l'Est, je dirais. Il y a une liaison permanente entre ces personnages. Je crois qu'il y a un trait qui les unit. Il utilise des couleurs formidables, des couleurs chaudes, mais aussi des couleurs glaciales. Dans son dernier œuvre, il ouvre une fenêtre vers le passé, et donc cette fenêtre, c'est le témoignage de cette période-ci d'aujourd'hui. Comme je disais, il exprime à la fois la colère, mais aussi par des tons du noir, des coins du noir qu'on retrouve dans certaines de ses œuvres, mais aussi la beauté. Parce que tout ce qu'on peut déduire de cette merveilleuse exposition, c'est la beauté des formes, la beauté des couleurs et la beauté des sentiments qu'on nous transmet. Merci, Ivy, d'avoir accepté d'exposer
à la Maison culturelle Belgourmet Artiste, ce n'est pas pour la première fois. Tu as déjà exposé trois fois, je crois. Tu as eu trois expositions. C'est à moi aussi de remercier Artiste pour cette invitation de cette fois-ci. Et je voulais vous dire aussi que ce n'est pas la première fois que j'ai exposé ici, mais cette fois-ci, je crois que c'est la meilleure exposition que j'ai eue, parce que les œuvres sont beaucoup plus accomplies, beaucoup plus grandes. Parce qu'avant, quand j'ai amené les choses de Roumanie, c'était difficile de venir avec des groupes toiles. Je n'ai pas eu de moyens. Et maintenant, je suis heureux. Que tu habites ici en Belgique, oui, d'ailleurs, tout près de Bouillon. Parce que tout ce que c'était ici, c'est des choses que j'ai réalisées dans le dernier temps, dans la période de Covid. Pour moi, le Covid m'a donné de m'enfermer dans l'atelier et de travailler. Voilà. Alors, je vous invite de visiter parce que ce n'est pas à moi de parler. J'aimerais que les œuvres vous parlent et vous pouvez entrer en dialogue avec moi et vous pouvez voir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sens. Et c'est à vous maintenant de deviner tout ce que je vis dans mes œuvres. Rita, il fait un art un peu différent de moi. Il est conceptuel. Il a mis dans ses pierres des conceptions d'abstraire les sentiments, d'abstraire les sentiments et les idées. Alors merci encore une fois, Ilie. Donc on déclare l'exposition ouverte. On vous invite de visiter l'exposition, de boire un verre et de déguster des petites amuse-gueules qu'on avait préparées. Et l'exposition va rester au Cimes de Artiste jusqu'au début du mois d'octobre. Donc merci encore une fois, une bonne soirée à côté de Alexandra Moldovan qui est la soliste de jazz qu'on aime beaucoup ici à la Maison culturelle Belgourmet, accompagnée par Mikhail Dumitrake. Une bonne soirée je vous souhaite. Fly me to the moon and let me play.
de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi.